bus, métro, la proximité est souvent à l'origine de situations intolérables. Les autorités appellent notamment les témoins de ces agressions à ne plus baisser les yeux. Frédéric Badard, Abel Fernandez avec Cyril Stadler. C'est un lieu devenu pour certaines synonyme de danger. J'étais plaquée contre la barre du métro et du coup je ne pouvais pas trop bouger, mais je sentais une présence derrière moi. Ouais. 87% des femmes auraient déjà au moins une fois été victimes de violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. Un chiffre glaçant, mais encore bien loin de la réalité pour les associations féministes. Je dirais que toutes les femmes qui prennent les transports en public ont déjà vécu des situations de violence allant vraiment du simple au double, des regards libidineux, des personnes qui nous suivent, qui nous mettent mal à l'aise, etc. Dès qu'il y a un attouchement, ça s'appelle une agression sexuelle, et ça les gens ne le savent pas, parfois ils se disent une main au cul c'est du harcèlement sexuel, pas du tout, c'est une agression sexuelle, c'est 5 ans de prison. Exhibition sexuelle, attouchement, des agressions qui ont lieu souvent en plein jour devant témoins.